Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur GTA en live pour vous parler de la petite mise à jour qu'on a eue cet après-midi. Oui, on a eu une mise à jour si vous n'êtes pas au courant sur PC, PS4, Xbox One. Donc voilà les deux nouvelles voitures qui sont arrivées, donc je les ai achetées. On peut les modifier chez Benny, si c'est bien ça, si je me trompe pas. Deux véhicules qu'on a eu. On a eu une mise à jour, en fait on n'était pas tous au courant. Moi j'ai eu une mise à jour, mais quand je l'ai fait, j'ai pas trop regardé le contenu de la mise à jour. En fait, j'avais téléchargé, puis voilà, sans plus. Après, j'ai joué un peu à GTA. Et du coup, bah, j'ai appris que quand je me suis déconnecté, une heure après, j'ai appris que Rockstar avait publié des photos sur Twitter, Facebook et sur. J'avais reçu un mail aussi en disant donc, du coup, voilà, les deux véhicules, ils sont pas trop chers. On peut les modifier chez Benny. Il y a la première façade comme ça et la deuxième façade. Donc du coup voilà, je vais faire une petite coupure pour éviter que la vidéo soit trop longue pour aller chez Benny et tout, vous inquiétez pas. Donc voilà, je vais vous présenter un peu de la voiture et dès qu'on arrive chez Benny, on va reprendre. A tout de suite. Donc retour, on arrive bientôt chez Benny. Donc ouais, j'ai fait une petite coupure, c'est pour éviter que la vidéo soit trop longue bien sûr, parce que sur la route ça sera trop long. Donc on arrive chez Benny, je vais modifier un peu les voitures. Les deux voitures qu'on a, je vais les modifier pour vous montrer un peu l'apparence, mais je peux pas la transformer sinon j'ai pratiquement pas beaucoup de thunes. Donc du coup là, je suis vraiment désolé, je vous mettrai deux photos pour vous montrer à quoi ressemble la voiture. Donc celle-là, quand elle est transformée, donc juste ici, voilà, vous voyez la photo. Et juste après la voiture, quand l'autre voiture va être transformée, je vous mettrai une petite photo aussi. Donc voilà. Et du coup, on va modifier un peu, on va regarder un peu partout. Là, on est dans les échappements, on va fouiller un peu. C'est sûr, quand la voiture elle est transformée et quand elle n'est pas transformée, c'est différent parce que celle-là elle a 5 portes. Et si on fait la transformation à base de 3 portes, donc voilà, il y a plusieurs choses qui changent. Il y a voilà, et j'ai pas trop les moyens, donc désolé, je peux pas vraiment le faire. Mais il y a d'autres youtubeurs qui l'ont fait, vous pouvez regarder leur vidéo, comme Baïsanka, allez voir, il a fait. Vraiment désolé, j'ai pas beaucoup de thunes, donc je suis vraiment un peu dégoûté de pas le pouvoir de le faire. Dites-moi si elle est sortie sur PS3, Xbox 360 en commentaire si vous l'avez ou pas. J'ai la flemme d'allumer la PS3 et d'y aller dessus, donc du coup voilà. Donc là, on est en train de regarder tout. Elle est vraiment stylée comme ça, ça change quand on est arrivé au garage. C'est vraiment cool. Pour l'instant, on n'a pas eu d'armes et de masques ni de vêtements. Est-ce que ça va arriver par la suite? Donc, du coup, voilà. J'espère que ça va arriver, peut-être ou pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la suite de. Est-ce que c'est le numéro 2? On ne sait pas c'est quoi, c'est le nom de cette mise à jour. Un peu, on est un peu, voilà, on est un peu surpris. Donc, voilà. J'ai envie de vous dire. Donc, on va aller chercher la deuxième voiture. Et on va faire une deuxième petite coupure pour aller chercher la deuxième voiture. Allez, à tout de suite. Donc retourne, on a récupéré la deuxième voiture. Donc voilà, on se retrouve pour une deuxième partie. On arrive bien sûr chez Benny aussi. Et les deux voitures, ils y passent. Celle-là, on l'avait un peu, je crois, sur GTA déjà, je sais plus du tout. Et après, on va parler un peu de la nouvelle activité qu'on a eue. En mode rivade. Rivade. Désolé, je mettrai aussi une photo. Comment ça va se passer? C'est des personnes qui vont sauter en parachute possible. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc là, on modifie un peu la voiture. Bon, c'est un peu différent. Donc voilà, j'ai pas trop acheté de choses. J'ai gardé un peu de thunes en cas où si on a une mise à jour qui arrive. On sait jamais si. Est-ce qu'on va avoir la suite dans la semaine ou pas. Ce week-end ou la semaine prochaine. Est-ce qu'on va avoir la suite? Parce que c'est un peu bizarre que deux véhicules sortent comme ça. Je pense qu'il y aura un peu plus. Je ne sais pas. Donc du coup, on va voir par la suite. Si vous avez des informations, vous pouvez me les dire en commentaire, bien sûr. Et du coup, donc c'est du coup, hop là, on a fait les modifications, mais c'est un peu différent. Donc voilà la deuxième photo, à quoi ça ressemble quand vous faites la transformation. Donc, voilà, vous voyez la photo. Je les mets de décapotable aileron, je ne sais pas comment je vais mettre peut-être celui-là. Voilà, on va pas mettre trop de trucs décapotables, elle est un peu classe, donc du coup voilà. Et après je vais vous montrer le mode rival qu'on a eu, bien sûr. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue, j'ai fait des petites coupures entre deux, donc c'est un peu normal, vous inquiétez pas. C'est pour éviter que la vidéo dure 5 heures et après pour les montages c'est un peu long parce que mon PC rame et du coup c'est chiant. Du coup voilà, c'est pour le PC. C'est pour éviter de faire des montages qui durent infiniment. Non, je peux pas les avoir, donc du coup voilà.
On va regarder des sous quand même au cas où si on a la suite de la vidéo qui arrive, la suite de la mise à jour qui arrive. Donc là on va partir tranquillement et je vais vous montrer le mode rival qui est arrivé en même temps. Donc vous allez avoir une petite photo juste après quand je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Et donc là on y va tranquillement et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble en mode rival. Donc je vais pas le faire en vidéo mais je vais juste vous montrer actuellement à quoi ça ressemble. Donc là hop, la petite photo qui va arriver juste là dans quelques secondes, vous allez la voir, vous inquiétez pas, je la mettrai un peu décalée. Voilà la photo qui va arriver juste ici, vous allez voir juste bien avant à quoi ça ressemble le mode rival. Donc il y a 5 activités mode rival, saut au parachute. Donc en fait on doit sauter dans un engin à avion ou hélicoptère, chercher les noms. Et du coup bah en fait il faut la première équipe arrive au sol, en fait je crois que c'est il faut défendre une base, je me trompe pas du tout, je ne sais plus, enfin défendre une base et je pense qu'il faut peut-être tirer sur les autres, je sais plus. Ouais c'est ça, c'est en mode rival et je crois que je me rappelle un peu. Non c'est pas en parachute, c'est même sûr, je crois que c'est bien en mode rival. J'ai un gros doute parce que en fait je crois que c'était en parachute. Je regarde bien sûr, vous inquiétez pas, on a tout le temps. Oui, il faut pas paniquer. je regarde quand même pour bien confirmer parce que c'est un truc de parachute donc ça pète les dents. Mais bon, ça m'étonne quand même. Je préfère regarder. Mais c'est même sûr, c'est un mode rival. Parce que vu qu'on saute bizarrement en parachute, et voilà, on va les. Mais c'est bien créé par Rockstar. Donc vous allez bien dans créer par Rockstar et c'est. Oui, c'est ça, créé par Rockstar. Et en principe, c'est dans mode rival. Parce que je viens de regarder en même temps et du coup sans mode rival vous allez voir c'est donc ce que je disais. Donc voilà le mode rival il est bien là, donc c'est bien dans mode rival. Donc c'est ici, c'est les 5 qui sont ici, donc je regarde quand même, je cherche. Donc voilà à la base il faut sauter d'un avion et il faut atterrir en bas pour survivre. Je pense que ça peut être drôle, donc ça peut être bien à voir si on peut avoir la tenue, les tenues qui vont avec, désolé, les tenues qui vont avec. Et pourquoi pas, si on peut avoir les tenues qui vont avec, donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime à cette vidéo, de vous abonner si vous voulez voir cette activité en vidéo. Dites-moi là si vous voulez voir d'autres informations ou si je me suis trompé sur certaines choses, il n'y a pas de souci, dites-moi le en commentaire. Et moi je vous laisse sur les images. Et allez, moi je vous dis bye, à très vite, ciao, bye bye.